Alors donc en fait la course croisière EDEX c'est un événement européen qui se passe en France tous les ans. Donc cette année c'est la 49e édition et donc ça porte cette année sur les startups et le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est composé en trois trophées, le trophée mer, le trophée sable et le trophée terre. Donc en fait mer ce sont des régates dans la baie d'Arzon. Sable ça va être des affrontements en beach volley, beach soccer, rugby etc. Et après en trophée mer c'est plus de la randonnée, du vélo. Donc c'est un événement qui est en France tous les ans et qui a une dimension surmédiatisée, donc 3000 étudiants, beaucoup d'entreprises et donc une communication européenne voire mondiale. Ce sont des étudiants d'écoles de commerce en France, à l'étranger, des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art, des écoles du numérique comme la nôtre. Donc 3000 étudiants, des équipages composés aussi bien de 5 à 20 personnes. C'est tout type de formation confondue et c'est organisé par l'école EDEC en fait depuis 49 ans.